plus gros complexe, c'est mes pieds. C'est mes dents. Et mes dents croches. Mon corps. Ma pilosité. Mon nez. Mes cheveux blancs. Ma taille. Ma malformation ici. Mon poids. Mon poids. La grosseur de mes bras. Mon gros bedon. Le bégaiement. D'avoir une aussi petite poitrine. Mes seins. C'est mes seins. Ma poitrine. Est différent. J'ai un trouble de la personnalité limite. J'ai une scoliose dans le bas du dos. De néophobie alimentaire. Moi, je suis atteinte d'une maladie. Moi, j'ai le sérum, j'ai de la Tourette. J'ai une peur viscérale de l'abandon et du rejet. De pas être assez. Me voici dans un outfit que je ne mettrai jamais de toute ma vie. C'est une bataille que je vis à tous les jours. Ok, je vais juste faire une petite introduction parce que... En fait, ça me stressait un peu. Je savais pas comment faire mon introduction, puis je me suis rendu compte que j'ai zéro envie que cette vidéo tourne autour de moi. Donc, je vais pas m'attarder très longtemps. Cette vidéo est pour vous, en fait. Elle est de vous à vous. S'il y a bien quelque chose que j'ai réalisé, c'est que sur ma chaîne YouTube, je me suis montrée toutes mes facettes. Je me suis montrée extrêmement vulnérable. J'ai même laissé la chance à les personnalités publiques de se laisser être très vulnérables, très vrais. Je leur ai laissé ma plateforme pour qu'ils nous confient leur plus grande vulnérabilité, leur plus grand complexe. Mais quelque chose que j'avais jamais fait, c'est vous offrir l'opportunité à vous aussi de pouvoir vous exprimer. Ça fait longtemps que j'attends de faire cette vidéo parce que je me dis le COVID, la pandémie, le confinement va finir par finir, mais ne finit pas. Vous voyez le format de vidéo vraiment plus vivant. J'avais envie de vous rencontrer, de vous inviter chez moi pour que vous puissiez me confier votre plus grand complexe. Mais malheureusement, la vidéo n'est pas le format que je voulais. Mais je pense que c'est parfait comme ça. J'espère sincèrement qu'elle va vous faire du bien. Moi, c'est une vidéo qui me touche. Particulièrement. En fait, ce qui me touche énormément, c'est la confiance que vous m'accordez de m'offrir l'opportunité de pouvoir publier ces vidéos-là, de pouvoir les partager avec le monde entier. Je trouve ça tellement précieux. Je trouve ça sincèrement vraiment précieux. Puis, c'est ça. Sans plus attendre, je vous laisse sur la vidéo, sur votre vidéo. Salut Cass! Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans. Je vais dire que mon plus gros complexe, c'est vraiment ma malformation ici. En fait, ça s'appelle, c'est reconnu sous le nom de bec de lièvre, mais ça s'appelle fissure labio-palatine. Puis comme définitivement, je peux pas le cacher, il faut que je vive avec à tous les jours. Donc à tous les jours, je me promène et à tous les jours, il y a tout le temps plein de monde qui me regarde. Mais c'est souvent par la curiosité, mais des fois, quand elle me rend à la terre, c'est vraiment poche à accepter. Puis je te dirais que j'ai encore plus la misère à l'accepter quand je suis sur le profil comme ça. Parce que mon nez est vraiment plat, donc quand que je parle, j'ai vraiment l'impression que ça paraît plus. Donc j'ai encore de la misère à faire des photos de ce profil-là et à m'accepter de ce côté-là. Mais j'y travaille, puis c'est mieux que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'est encore plus dur à accepter parce que les enfants rient de toi, les enfants peuvent t'insulter puis tout. Mais avec du travail, avec mes parents, mon entourage puis tout, j'ai réussi quand même à surmonter. Mais il reste que des fois, j'ai de la misère à l'accepter. Mais bon, donc merci beaucoup. Yo, moi, mon plus grand complexe, c'est ma pilosité, OK? Comme vous pouvez voir, j'en ai quand même partout, même ses mains, OK? Les bras, c'est vraiment pas mieux. C'est pour ça que je porte des hoodies, en fait, c'est parce que c'est à cause de ce complexe-là. Et puis, je me rappelle que ce complexe-là est né quand j'étais en secondaire 1 et secondaire 2, dans un cours d'éducation physique, je me rappelle, je venais de terminer, et puis j'étais dans les douches, en train de me laver, et puis les gars avaient setupé comme un affaire, parce qu'ils arrêtaient pas, les gars arrêtaient pas de dire que j'avais du poil sur le cul aux filles, puis les filles croyaient pas ça. Secondaire 1, secondaire 2, il y en a pas beaucoup qui ont ça, en fait, OK? Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une fille qui est rentrée dans les douches, dans le locker, puis elle a constaté par elle-même que j'avais du poil sur le cul, puis elle a trouvé ça dégueulasse, elle m'a vu de dos, puis elle a comme crié « Arc !» Puis genre, à partir de ce moment-là, j'ai associé le poil avec le dégoût. Puis ça m'a suivi vraiment, vraiment longtemps. Aujourd'hui, c'est correct, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment fait de la peine. Quand j'étais jeune, ça m'avait suivi vraiment longtemps. Même quand mon père me disait que c'était all fine, puis quand t'avais du poil, t'étais un homme, en fait. Donc, je m'appelle Maude. Je suis étudiante à l'UQAM en ce moment en communication et je pense que mon plus grand complexe, qui est aussi ma plus grande peur, c'est de pas être assez. Dans toutes les sphères de ma vie, j'ai peur de pas être assez belle pour mon chum, j'ai peur de pas être assez performante dans mon milieu, de pas être assez bonne pour mon milieu ou de pas être assez performante à l'école. J'ai peur de pas bien faire ma job, de pas être assez bonne pour faire ma job. J'ai peur de pas être assez intelligente. Fait que c'est ça, j'ai juste peur de pas être assez dans la vie, puis
C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Voilà, fait que c'est ça. Je m'appelle Maud et mon complexe, c'est de ne pas être assez. Je m'appelle Vanessa et je souffre de néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire, c'est avoir peur de goûter des nouveaux aliments. Notre corps réagit inconsciemment très très mal à de nouveaux aliments. Je peux tomber évanouie, je peux vomir, etc., etc., juste à essayer de goûter quelque chose de nouveau. On mange très, très, très peu de choses, ce qui peut nuire à notre santé, ce qui peut nuire à notre santé mentale. Je me suis souvent empêchée d'aller dans des soirées avec des amis, des soirées au resto, des soupers de famille, etc., parce que je ne mangeais pas qu'est-ce qui était au menu. Donc, c'est quelque chose qui m'a affectée beaucoup, beaucoup dans ma jeunesse. Maintenant, je sais que je souffre de néophobie alimentaire. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est ça ma vulnérabilité à moi. Donc, moi, mon plus grand complexe, c'est certainement mon corps. Oui, malheureusement, j'ai eu 2 enfants. Donc, évidemment, après 2 grossesses, un corps peut changer. Certaines chanceuses, non, mais moi, j'ai pas été de ceux-là. Donc, ouais, clairement, mon corps, c'est vraiment une grande acceptation là, que je dois faire avec moi-même parce que, honnêtement, toutes les fois que je me mets en bikini ou je suis portée à me comparer, à me juger, à regarder le petit bourrelet qui dépasse, il y a toujours quelque chose. Mais finalement, j'ai déjà été plus maigre, pour vrai, puis j'étais pas plus contente. Voilà, on n'est jamais satisfait. Bonne journée! Allô, moi, c'est Cindy, j'ai 29 ans. Mon plus grand complexe, c'est ma démarche. Parce que moi, je suis atteinte d'une maladie, c'est neuromusculaire, puis j'ai une démarche saccadée, puis j'ai pas une super bonne équilibre. Puis ça joue beaucoup sur la confiance que j'ai en moi, sur mon estime, puis longtemps, moins aujourd'hui, mais longtemps, on me regardait les jambes quand je marchais. Puis beaucoup, je voyais dans leur visage, c'était « Oh, es-tu malade? Es-tu saoule? » Ou on se mettait à rire de moi. Donc, ça n'a pas beaucoup aidé à mon estime non plus, mais c'est peut-être moins pire aujourd'hui, mais c'est encore un grand complexe, ma démarche. Allô, Cassandra, j'ai envie aujourd'hui, je pense, de mourir. Je sais pas, j'ai le même complexe que toi. Mon corps, mon physique, c'est souvent jugé par le milieu que j'ai choisi de travailler. Quand coiffeuse, un physique rond, un visage rond, des grosses bajoues, est un peu moins habituel, je trouve, malheureusement. Même quand on cherche un emploi, c'est difficile. Même plus jeune, j'étais excessivement sportive. J'étais pas grosse, loin de là. J'avais juste des grosses cuisses, des bonnes hanches. Une fille bien en forme. Quand j'allais magasiner avec mes amis, j'osais même pas leur dire la taille des pantalons que je portais parce que j'avais trop de qui j'étais. Encore aujourd'hui, c'est une bataille que je vis à tous les jours. Encore plus ces temps-ci. En temps de pandémie, c'est difficile. On va un peu moins s'entraîner. Dans les dernières années aussi, même j'étais beaucoup plus jeune. Il y a deux ans, je dirais presque 10 ans, je me suis blessée à un genou. Le sport fut impossible. Donc j'ai continué à prendre du poids. J'ai continué à me détester. À me trouver laide. J'ai beau dire que je fais tous les efforts, puis je l'ai fait. C'est difficile de prononcer, mais j'aimerais réussir un jour à faire une vidéo comme toi. Cher corps, je t'accepte. Salut Cass! Donc moi, je dirais que mon plus gros complexe, c'est mes pieds. Donc j'ai les pieds plats. Ça fait que quand je porte des sandales durant l'été, bien, on voit que mes pieds sont vraiment croches, puis on voit que mes pieds sont plats. Puis mon gros orteil, il est vraiment vers l'intérieur, vraiment vers l'intérieur. Comme moi, mes pieds sont comme ça, legit, ok? Puis c'est ça. Pour moi, être vulnérable, c'est être différent parce que des fois on n'a pas tendance à être ouvert d'esprit à la nouveauté, à être différent. Puis c'est d'être soi-même, je pense que pour moi c'est vraiment être vulnérable parce que je n'ai pas confiance en moi. Et pour moi être vulnérable,
c'est ça pour moi. Salut, je m'appelle Léa et mon plus gros complexe, c'est ma maladie mentale. J'ai un trouble de la personnalité limite et tout ce qui vient avec. Donc, difficulté à gérer ses émotions, difficulté avec l'attachement, difficulté avec l'abandon, anxiété, dépression, beaucoup, beaucoup de choses qui font de moi une personne très spéciale, si je peux dire ça comme ça. C'est mon plus gros complexe parce qu'encore aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. J'ai beaucoup de travail à faire avec les autres et je dois l'accepter et je trouve que c'est difficile d'accepter ça parce que je suis quelqu'un d'assez orgueilleuse et maintenant que j'ai un nom sur la maladie, on dirait que c'est encore plus difficile pour moi de vivre avec et de l'expliquer aux autres aussi. Donc, voilà. Salut, moi c'est Geneviève, j'ai 26 ans et je suis maman de 2 enfants. Mon plus grand complexe, c'est mes dents. Ça m'a toujours énormément complexée. Je prends jamais de photos ou qu'on voit mes dents. C'est triste, mais je prends pas de photos avec mes enfants ou que je souris avec les dents. J'aimerais tellement, mais non, c'est plus fort que moi. Ça me gêne tellement, ça me complexe, ça me crée énormément de problèmes avec les autres. C'est poche, mais c'est ça. Salut Cass, tu voulais qu'on t'envoie nos complexes, donc voici le mien. Je suis la seule de ma famille, du côté à ma mère et à mon père réunis, d'avoir une aussi petite poitrine. Je fais du A, sauf que j'ai un trop gros tour, donc ça fonctionne pas, puis c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment très très rare que je mette des choses moindres comme ça, justement, parce que ça me complexe. Donc, je suis tout le temps avec des gros cotons wattés. C'est donc ça aussi le plus de vêtements que j'ai dans mon garde-robe. C'est ça. Je pense à la chirurgie depuis que j'ai environ 10 ans. Parce que je voyais tout le monde commencer à avoir des seins, des brassards, tout ça au primaire, puis moi... Hello! Mon plus gros complexe, c'est que j'ai une scoliose dans le bas du dos, ce qui fait en sorte que ma hanche gauche paraît plus que ma hanche droite. Ça fait en sorte que j'ai l'air toujours un peu croche et ça m'empêche de porter beaucoup de styles de vêtements parce que je trouve que ça paraît plus dans certains morceaux. Donc, voilà. Mon plus gros complexe, c'est une bonne question, ça casse. Je dirais que ça serait mon poids, comme ben des filles, je suis pas originale. Mais ouais, quand j'étais en 6e année, j'étais allée voir un nutritionniste. J'avais réussi à perdre quelques livres, mais je voyais plus la différence dans le miroir. Fait que j'ai repris beaucoup de poids. En secondaire 2, j'étais vraiment pas hanchée. Fait que j'ai essayé de me prendre en main. J'ai réussi à perdre 30 livres. Fait que j'étais vraiment fière de moi. Sauf que là, depuis le confinement, j'en ai repris peut-être 10. Je dirais que ça joue pas mal sur mon mental, même si genre j'haïs ça, que ça m'affecte à ce point-là. Puis j'aimerais tellement ça, pouvoir juste... get past that, puis d'apprendre à aimer mon body, puis j'essaye de tout mon possible que ça m'affecte pas, j'essaye de me reprendre en main, mais on dirait que c'est comme plus fort que moi, puis je succombe à mes cravings, puis après ça, quand je succombe à mes cravings, ben, je me sens encore plus mal. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup que c'est ce complexe-là, mais ça prouve qu'on n'est pas tout seul. Allô, donc mon plus gros complexe est le bégaiement. Et dans le fond, je vis avec ça depuis mon plus jeune âge. Donc, ça a engendré énormément de négatifs. Exemple, beaucoup d'intimidation et tout ça. Je me faisais rejeter parce que ben j'étais pas comme tout le monde. Je parlais pas comme tout le monde. Je me faisais refuser des jobs parce que j'étais pas... parce que le patron était pas certain que j'allais être capable de faire la job puisque je bégayais. Et je veux dire à tous les gens qui bégayent que c'est pas grave puis que t'es pas anormal parce que t'es pas comme tous les autres. C'est pas ça qui fait ta personne. Donc voilà, merci! Quand ce que le COVID a starté, j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. J'ai perdu un gros spot en arrière à cause du stress. J'ai perdu ma job. J'ai pas pu graduer au collège. Il y avait beaucoup d'affaires qui se passaient dans ma famille. Puis,
c'était vraiment deux pour moi l'année qui vient de passer, c'était encore deux. Mais ça s'améliore à chaque jour. Donc oui, ma plus grande complexe, c'est la grosse spot en arrière à où j'ai perdu tous mes cheveux. Ça a été vraiment dur pour moi. Je peux pas attacher mes cheveux à cette heure. Je peux pas... Quand je vois dehors puis il y a du vent, des fois ça tasse mes cheveux d'une façon que tu peux le voir. Puis c'est vraiment facile à le voir. Puis c'est un peu much pour moi. J'ai mon homme qui me soupe pas, il care pas, il est comme non, t'es correct, t'es magnifique, comme on le voit pas, là, comme tu capotes des fois pour un peu trop. Mais là, je vais vous la montrer, je sais pas si ça va être la meilleure vue là, mais c'est juste là. Donc ouais, j'essaie de tasser mes cheveux sur ce bras-là à cette heure, juste pour cacher un peu plus, mais ouais, c'est ça ma plus grande complexe, puis ouais, merci. Salut, je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans. C'est la 25e vidéo que je fais parce que à chaque fois je me dis oh, on voit trop mon complexe. Oh, on voit trop mon complexe. Mais c'est une vidéo de se dévoiler, donc j'arrête. Cette vidéo, c'est la bonne, je l'envoie comme elle va être. Donc mon plus gros complexe qui me suit depuis le primaire, c'est la grosseur de mes bras. Je mets maintenant des chandails très amples et lousses pour ne pas que ça paraisse. L'été, je suis vraiment vulnérable lorsque je suis en maillot de bain. C'est très difficile à cacher. Donc, voilà. Allô, Cassandra. J'étais pas tant à l'aise de faire ça, mais mettons que je pense que ça peut faire du bien d'en parler. Moi, ce que j'aime pas, c'est mon gros bedon. J'essaie de perdre du poids. J'ai eu plusieurs opérations, fait que je pouvais pas bouger, fait que c'était assez dur. J'ai pris du poids pareil parce que pendant 2-3 mois, j'ai pas pu bouger à cause que je m'étais fait opérer aux deux jambes. J'ai pris un peu plus de poids. Je commence à avoir un petit bourrelet. Puis mon petit double menton, il me met pas vraiment à l'aise. Fait que je tenais important de le dire. Puis on dirait que juste le dire, ça me fait du bien. C'est bien sûr à dire, mais merci pour ton projet. Puis c'est super le fun. Puis c'est une très très bonne idée. Puis je t'aime fort. Salut Cass, merci de donner une voix à tes fans, je trouve ça vraiment cool. Donc, me voici dans un outfit que je ne mettrai jamais de toute ma vie pour deux très bonnes raisons. La première, c'est que je suis très complexée par mes gros bras. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué au tennis, puis par la suite, j'ai fait de la natation. Et ça fait en sorte que je trouve que c'est beaucoup trop laid de démontrer mes gros bras musclés, c'est pas féminin, je vais tout le temps les cacher avec des manches et c'est très dommage parce que ce petit top est quand même très cute. Et le deuxième, ça paraît pas dans ces jeans-là, mais c'est le surplus que je traîne avec moi à tous les jours et dont j'essaie tellement de me débarrasser. Je peux pas laisser personne me toucher le ventre, j'ai l'impression que les gens m'analysent. Dans ma gang d'amis, mes amis sont vraiment toutes vraiment belles pis chics, mais sont toutes minces pis c'est moi la plus large. Et ça me fait toujours sentir comme le mouton noir de ma gang. Salut Cass! J'espère que ça va bien. Donc pour mes complexes, le premier qui m'a toujours le plus complexé, c'est mon nez. De face, ça va. De côté, je prends vraiment jamais de photos de profil à cause de ma bosse sur mon nez. Donc, c'est pas la plus pire, mais pour moi, c'est vraiment un complexe. Sinon, ça a toujours été mon acné aussi. Je n'ai eu beaucoup quand j'étais au secondaire, mais j'en ai encore maintenant, à l'âge adulte, même à 29 ans. Donc, surtout sur les côtés ici, donc j'essaie le plus possible de cacher avec mes cheveux. C'est sûr que ça aide pas partout, mais c'est ça. Fait que, acné et museau. Mon dernier complexe, ça serait pas mal que ce que le confinement a fait sur mon corps, c'est-à-dire prendre beaucoup de poids. Ben, beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Et l'erreur que j'ai faite, c'est aller me peser. C'est la pire chose à faire. J'ai pris un beau 20 livres qui fait que je rentre vraiment plus dans mes culottes et jupes et autres et tout ça. C'est sûr qu'en dansant plus, c'est ma passion, c'est danser, mon sport, c'est danser. Donc, en dansant plus, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et en travaillant plus, je bougeais plus du tout. Donc, c'est ça. J'ai pris quand même beaucoup de poids. Pour les autres, ça paraît pas tant que ça. Je me trouve belle quand même, mais
c'est tough de plus rentrer dans ses culottes et de se regarder dans le miroir et être plus pareil comme avant. Puis c'est ça. Ça, mon Dieu, je pensais pas que mes émotions viendraient. Donc c'est ça, c'est mes trois principaux complexes. Salut Cass, moi mon plus gros complexe c'est mes seins. Après avoir accouché d'un petit bonhomme, je suis passée du double D à... Je compte même plus. Fait que mon plus gros complexe c'est mes seins, c'est super dur. C'est super dur avec toutes les marques que ça l'a laissé aussi, avec la grosseur qu'ils ont maintenant. Mon plus gros complexe. Allô, premièrement, merci Cassandra si jamais tu as choisi ma vidéo. Donc, je me lance dans le sujet. Mon plus grand complexe à moi, ça a tout le temps été mon poids. Et je sais que là, c'est pas quelque chose qu'on voit, parce que tu sais, quand je me promène, je veux dire, c'est pas écrit mon poids dans mon front. Mais c'est fou à quel point c'est quelque chose qui me hante. Puis je sais que ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour moi, c'est comme... C'est fou, là. À un certain point de ma vie, je me suis rendue malade avec ça. Et là, ça va vraiment mieux. Je veux dire, je suis plus malade à propos de ça et tout. Puis j'essaye justement chaque jour de faire de l'exercice, de bien manger pour essayer de régler ce complexe. Mais j'essaye aussi de vivre avec puis d'accepter comment que je suis parce que, je veux dire, ça me définit tellement pas en tant que personne. Et c'est ça que je dois comprendre. Que tu sais, j'ai quand même un chum, j'ai quand même des amis, j'ai quand même une famille, peu importe mon poids. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a tellement grandi dans une société que, parce que j'ai 18 ans, fait que... Tu sais, depuis que j'ai 11 ans, quoi, je suis sur Instagram, puis j'ai tout le temps vu des modèles, des filles, les Insta babe avec leur shape parfaite, en maillot sur leur bateau. Puis je suis comme, je serais jamais game de faire ça, puis je veux dire, je leur enlève rien, là, c'est vraiment pas méchant. Mais grandir en voyant ce genre d'image à chaque jour, comme, tu commences à te regarder dans le miroir, puis te dire, genre, hey, je pèse pas 110 livres, là, moi. Puis c'est vraiment ça qui me hantait. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais c'est vraiment ça mon plus gros complexe. Donc voilà. Allô, mon plus grand complexe en moi, c'est définitivement ma poitrine. C'est un combat que je mène depuis vraiment longtemps. J'ai fait vraiment du progrès, puis je suis fière de moi. Mais il reste encore du chemin à faire pour arrêter de me comparer aux autres, puis de me comparer aux standards de la société, puis de vraiment me trouver belle quand je me regarde, puis de m'accepter comme je suis. Alors c'est ça. Allô Cassandra, moi mon plus grand complexe a toujours été mes cheveux blancs. J'ai 23 ans puis j'ai déjà une bonne partie de ma tête qui est blanche. Puis ça a commencé quand j'étais au début du secondaire, donc j'étais quand même vraiment jeune. À ce moment-là, ça allait bien parce que j'étais capable de les arracher au fur et à mesure. Mais il est venu le temps où les commentaires ont commencé. Je les ai tous entendus. Mais voyons, t'as quel âge pour avoir autant de cheveux blancs? C'est vraiment des cheveux blancs, je vois sur ta tête? Ça te tenterait pas de commencer à te teindre? Fait que c'est là que j'ai senti que j'étais pas normale, puis qu'à mon âge, je devrais pas avoir ça. Fait que voilà 2 ans, j'ai commencé à me teindre. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je le fasse, donc ma souffrance a duré quand même un bon moment. Mais là, aujourd'hui, est venu le temps où je suis enceinte, puis j'ai la peau vraiment fragile et je tolère plus la teinture. Je pensais avoir de la misère à vivre avec ça, mais non, au contraire, je suis heureuse de dire que je suis capable de vivre avec mes cheveux blancs, puis ça, sans complexe. Je sais pas si c'est le fait de devenir mère qui me fait sentir vraiment plus vieille, mais l'important, c'est que je vis bien avec mes cheveux. Bonjour Cassandra, mon nom c'est Frédérique Letourneau. Je sais pas si on doit se présenter, mais j'ai 19 ans, puis j'étudie en art graphique design à Montréal. En fait, moi, mon plus gros complexe pour ta vidéo, c'est... En fait, moi, j'ai le syndrome G de la Tourette. Je sais pas si tu sais quoi, en fait, mais j'ai des tics nerveux, moteurs et sonores. Et en fait, ce que ça fait, c'est que quand je me gratte... quand je suis stressée, je me gratte et ça fait que j'ai des gales comme ça. Donc, ça devient très difficile pour moi de sortir sans maquillage parce que les gens passent souvent des commentaires sur... mes marques, j'ai des si est-ce que j'ai un chat, est-ce que je me mutile, tout ça, même que c'est comme pas de leurs affaires, mais je me sens forcée de répondre vu que je travaille au public. Pour ma part, le complexe qui m'a habité pendant longtemps, ça a vraiment été mes dents croches quand j'étais plus jeune. Ça m'a vraiment empêchée en fait d'être moi-même, de pouvoir vraiment profiter de la vie, parce que chaque fois que j'avais un événement où j'avais envie de sourire, de montrer ma joie, de la démontrer extérieurement, quoi que je la vivais intérieurement, je souriais tout le temps, les dents, la bouche fermée, je riais la bouche fermée également, comme donc ça m'a surtout affectée sur la confiance en soi.
Je pense que si j'avais pas eu ce complexe-là ou si je n'avais pas eu les dents croches, j'aurais probablement fait plus de choses, j'aurais pris plus ma place. Ça m'a vraiment affectée dans mes relations, dans comment j'ai agi en fait. Donc voilà. Donc, bonjour. Moi, dans le fond, mon plus gros complexe n'est pas physique. C'est pas un complexe physique, c'est vraiment relationnel. Dans le fond, quand je tombe en relation amoureuse, j'ai une peur viscérale de l'abandon et du rejet. Donc, j'ai souvent besoin d'être sécurisée, je me sens insécure, j'ai besoin d'être rassurée. Puis au final, c'est souvent une fausse sécurité parce que c'est moi la seule personne qui peut vraiment me sécuriser. Puis je remets ça dans les mains de l'autre personne, ma valeur, ma sécurité. Parce que j'ai de la misère à me la donner à moi-même, puis ça fait que je me perds souvent dans la relation, parce que je veux tellement plaire, je veux tellement pas être abandonnée, que je fais tout pour l'autre, puis que dans le processus, ben je m'oublie facilement. Fait que j'ai une tendance vers la codépendance aussi. J'ai été dans des relations qui étaient toxiques, je m'en suis sortie, je me suis rebâtie de ces relations-là, mais je veux briser ce pattern-là, puis c'est vraiment difficile en ce moment. Fait que moi, mes deux blessures, si on veut, c'est vraiment une peur de l'abandon, puis c'est vraiment une blessure relationnelle qui est très insécurisante. Fait que c'est le fun d'être en amour. Fait que j'aimerais ça que ça soit comme moins anxiogène pour moi. En ce moment, c'est en processus. Allô, je m'appelle Sarah-Ève, j'ai 18 ans. Puis mon plus grand complexe, c'est vraiment ma taille. Dans le fond, je vous explique. Depuis le début de mon secondaire, je me suis toujours fait dire que j'avais pas de forme, que c'était pas féminin, que c'était pas beau. Puis, tu sais, je veux dire, vous pouvez le constater, j'ai pas les plus grosses bas de la terre. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça m'a beaucoup obsédée. J'ai beaucoup passé d'heures à me regarder dans le miroir, puis à me dire que j'étais pas assez féminine. Puis, avec les réseaux sociaux, c'est mille fois pire, on s'entend, parce qu'on fait juste ça, se comparer sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile. T'as des photos retouchées, photoshopées, qui sont là à ta portée, puis tu penses que c'est ça la vraie vie. Puis tu te dis que t'es pas assez. Donc, salut Cass. Dans le fond, je me permets de faire cette petite vidéo-là pour me permettre, en fait, d'exprimer mon plus grand complexe. Donc, mon plus grand complexe, selon moi, ça serait mes seins. Non pas parce qu'ils sont pas beaux ou quoi que ce soit, juste que j'en ai un beaucoup plus petit que l'autre. C'est quelque chose qui m'a toujours complexée. C'est sûr qu'avant que j'aie un copain, ça m'affectait pas tant parce que il y avait juste moi qui les voyais. Mais quand j'ai eu mon premier copain, puis que lui s'en est rendu compte et qu'il m'a fait le commentaire, dans le fond, c'est là que mon complexe, je te dirais, qui a commencé. Depuis, c'est sûr que j'ai quand même une forte poitrine, donc c'est quelque chose qui me dérange, puis qui paraît beaucoup plus vu que j'ai des plus gros seins. Donc celui qui est plus petit paraît vraiment plus petit contrairement à l'autre. Mais tu sais, je pense pas que j'irais à dire que je me ferais opérer pour ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui me dérange. Mais tu sais, je pense pas me faire opérer pour ça. Là, je vais apprendre à vivre avec. Puis tu sais, c'est ce que je fais depuis déjà quelques années. Donc je voulais juste partager ça avec toi. Tu m'as donné la chance. Donc un gros merci à toi. Et j'espère que ça va pouvoir en aider plusieurs. Je trouve que c'est une vidéo qui était importante à faire, puis j'espère avoir l'occasion dans le futur de pouvoir refaire ce genre de vidéo-là. Je pense que c'est justement, plus qu'on parle de nos complexes, plus qu'on les identifie, plus qu'on les dit à haute voix, puis j'ai l'impression que plus qu'on se rend compte que ben, nos complexes sont pas si pires que ça, ou justement on se compare, on réalise qu'on n'est pas tout seul à avoir ces complexes-là, puis je pense que c'est ça qui est vraiment important en fait. Je pense que la beauté, c'est dans les différences, puis je pense que chaque personne aujourd'hui qui a participé à la vidéo, puis même vous qui écoutez la vidéo, je pense qu'il est enfin temps qu'on réalise que nos complexes sont peut-être en fait notre force, t'sais, aux yeux des autres. Puis j'ai envie de vous dire que à mes yeux, à moi, vous êtes tellement extrêmement, extrêmement belle. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que je pense que être vulnérable, c'est pas quelque chose qui est réservé seulement aux femmes. C'est flagrant dans la vidéo. Il y a seulement un homme qui a participé et c'est un homme, un youtubeur en fait, qui m'a demandé s'il pouvait m'envoyer une vidéo. Et je trouve ça dommage en fait. Je me rends compte 100% que c'est vraiment difficile de trouver des hommes qui sont prêts à
se mettre nus, à se montrer plus vulnérables, à dire au grand jour qu'ils ont des complexes. On prête beaucoup d'intention aux hommes pour qu'ils soient sans émotion. C'est un homme, un vrai, un mâle alpha, mais non, il n'y a rien de plus beau qu'un humain en toute vulnérabilité, qu'un humain qui est proche de ses sentiments. Je sais pas, je trouve juste que c'est tellement flagrant dans la vidéo, puis ça prouve tellement qu'il y a encore des espèces de stéréotypes comme de quoi l'homme ne devrait pas se montrer vulnérable. Puis j'aimerais vraiment, mais vraiment, que ça cesse en 2021. Il est plus que temps que tu sois un homme ou une femme, que tu aies en masse le droit d'avoir des complexes, puis de l'assumer. Vous pouvez aussi partager votre complexe en commentaire. Je pense que même des fois, de le verbaliser, mais de l'écrire, ça fait du bien aussi. De parler de ce qu'on n'aime pas de soi, c'est déjà un bon pas vers l'acceptation. Fait que moi, je vous aime, je vous trouve beau, je vous trouve belle. On est beau, man! Surtout quand on est vulnérable puis qu'on est vrai. Bye bye!